et mes envies, mes grimaces et mes nuits, jusqu'à l'abscon, l'oubli, bercé par ma folie. Je vais le faire maintenant, comme ça, ce sera fait. Bonjour. Ouais, salut Joe. Salut. Joël Ruffier des M, alias Joe Stick. Voilà, qu'est-ce qui nous vaut ton retour à Paris après ce cet exil de 6 années à Zion. Eh bien, un nouveau spectacle, enfin plusieurs même, puisqu'il y a La Serpent, donc là c'est 8 personnes et c'est gros truc. Et qui ressemble pas d'ailleurs du tout à Joe Stick. Ça, le spectacle est fait, l'album est fait, donc on attend un peu maintenant les retours. Pour les gens qui ne te connaissent pas, je dois dire que c'est la première fois qu'on te voit jouer tout seul, parce que tu as toujours joué avec des grosses amies, et tu as commencé avec les Négresses Vertes, où tu étais fondateur, après Taras Bulba, ou en tout cas dans les membres... Tu as commencé avec les Négresses Vertes, clac, après tu as enchaîné avec Taras Bulba, où tu étais cofondateur avec Mathieu et Rachid. Et après, tu as eu Roger. Entre temps, il y a eu d'autres groupes. Il y a eu Yuri, Kamaz. Oui, des formations où de toute façon, n'était pas moins, je veux dire, de 7-8. Quoi. Donc ouais, à chaque fois, ouais. Ça a été gros. Là, tenter l'aventure du solo, c'est quelque chose. Parce que j'ai joué en duo avec La Serpent au tout début. C'était un duo, c'était pas encore un octet. Et là, c'est encore différent. Tout seul sur scène, c'est un gros travail. Et c'est sans cesse de la remise en question. Alors, essayer de trouver un conseil d'un tel pour améliorer et arriver à... Bon, tout en laissant quand même une part, parce que ça, je ne peux pas m'en empêcher, à l'improvisation quand même. À des rencontres. À la réunion de famille Taras Bulba, j'ai joué avec Jérôme Lessard, un saxophoniste émérite, ex-Urban, ex-Taras aussi. Voilà, j'aime bien les rencontres aussi, et ponctuelles. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, je ne veux plus de toi. Non. Sors de ma vue. Tu sais que je ne t'aime plus.
sors de ma poche. Une journée un peu moins moche sort de ma vie. Tu sais, je me tiens à l'abri. Tu m'as déjà tellement pris. J'ai jamais autant eu le trac, j'ai jamais. Et avant, il y a du nouveau, c'est tout nouveau. On croit, parce que ça fait 10, 15, 20 ans qu'on est sur scène, qu'on tourne avec des groupes, et à chaque fois, tac. Et là, je pense que c'est quand même un passage, pas obligé, obligé de rien. Mais pour moi, qui était obligé, ouais, qui était indispensable par rapport au parcours, on va dire. Avec cette formule, seul ou à deux, si tu es un batteur, c'est normalement tu vas faire le tour du monde deux, trois fois par an. C'est quand tu veux, je pense. Non, mais c'est vrai. Non, mais bon, c'est facile à tourner, c'est pas un spectacle qui va coûter cher, c'est sinon à toi, quoi, parce que tu le fais tout seul et que ça, c'est du boulot et que c'est toi qui les. C'est pas cher. Moi, je suis dans une dynamique où je ne veux pas que ça me coûte cher. Mm. Au pire, je dirais que j'aimerais bien que ça me rapporte cher. C'est sûr. Voilà. Parce que pour les choses qui coûtent, j'ai donné. Humainement, j'entends. Donc là, il faut penser à faire le métier un peu correctement et en faisant des sous. Enfin, ça, c'est à la limite, c'est. Perso, ça. Et tu m'as parlé aussi d'un projet qui existe depuis quelques années que vous relancez là, c'est un site qui est sur internet qui s'appelle Musique Publique. C'est un site qu'on avait eu l'idée de monter il y a déjà une dizaine d'années. C'est comme en fait écrivain public. Alors on fait remplir, avant la personne entrait, disait voilà, j'ai besoin d'écrire au notaire, faites-moi une lettre, donc l'autre il prenait sa plume, il avait les formules, les mains, sauf qu'il. Voilà. Nous, on a pris la même idée, mais on fait ça avec de la musique, des paroles. Donc, c'est sous forme de cadeau. Quelqu'un veut faire un cadeau à une personne. Il commande son morceau, il remplit un questionnaire, bon, où on demande les goûts, bien sûr, musicaux, quelques petites anecdotes qui ne seraient pas non plus complètement personnelles. Hein, un truc qu'on peut, moi, j'écris un texte dessus, j'écris la musique, par personne. Les paroles, pareil, parce que. Chaque être humain est unique, donc on a ce raisonnement-là et on le fait ça, on l'applique sur ce site-là. Donc, les chansons sur mesure pour. La chanson, oui, c'est du cous humain, voilà, ouais. Comme on dit. Je demande est-ce que tu as un message à délivrer à ton contemporain ou à la postérité, un truc. Ouais. T'as trouvé un truc. Ouais. Libre et curieux. Libre et curieux. Donc ça veut dire toi, bon, c'est un peu prétentieux que tu as essayé de vivre libre et curieux, que tu as incité les gens à faire pareil. Ouais. Comment on dit ça en espagnol? Non, mais t'as qu'à demander un menu de ciao. Et en anglais? Free and curious. Voilà. Je regarde mes dents blanches sans miroir. Elle remet sa jambe dans son étui. L'autre du dessous enlève ses oreilles. La télé va gueuler. Ils se sont trompés de couleur. J'aurai les yeux verts pour de bon. Je regarde mon cacheton du matin. Elle remet le rose dans son écran.